Yo les gars, c'est Jérémy Jim. Alors après le retour que j'ai eu de votre part sur mon sondage, suite à mon arrêt de Cast Clash, parce que ce jeu-là, c'est plus possible, j'ai décidé de commencer par essayer Clash Royale. Voilà, bon, j'ai passé le mois d'entraînement, et dans ce que je prévois de faire, c'est certainement essayer trois des jeux qui ont le plus ressorti. Bon, il y a Clash Royale largement, Clash of Clans aussi, peut-être pourquoi pas essayer avec vous. Et peut-être il y a Awaken Hero, quelque chose comme ça. J'ai un pote qui m'en avait parlé. Il y avait aussi pas mal de publicités suite à ce jeu. Ça a l'air d'être un peu comme Raid Shadow Legends, d'après ce que je vois. Je ne sais pas si c'est autant pay to win que ce jeu-là. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, là, j'ai passé quoi? Le mode entraînement. Et puis je pense qu'on va commencer les combats ensemble. Ça va être l'occasion. Bah pour vous, peut-être de me donner des conseils. En tout cas, j'ai mis mon pseudo GMJ. J'ai pas de clan pour l'instant. Bon, je sais pas qui trop regarder en vidéo parce qu'il y a un peu tout en Clash Royale. J'ai essayé de regarder une vidéo sur comment bien débuter. La vidéo était interminable. Finalement, j'ai pas appris grand-chose à part aller sur un site internet pour aller chercher quelques idées de deck. Et en tout cas, apparemment, au début, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut les maxer pour pouvoir monter en niveau. Ça va augmenter notre château en PV, d'après ce que j'ai compris. Et voilà. Donc, on va commencer comme ça. J'ai pas de coffre supplémentaire. J'ai fait que l'entraînement et on va commencer tout de suite. On verra ce que ça donne. Voilà. Bon, après l'entraînement, c'est assez fluide. Bon, par contre, sur PC, c'est pas l'idéal. Vaut mieux jouer sur téléphone que sur le PC, il me semble. On verra comment ça réagit en face. Est-ce que ça va aller très vite ou pas? Ah, le mec, il déploie vite. Hein. Ok, il a pas le temps. On verra si j'ai plus de chance. J'avais cru lire que le PK était quand même très pratique. Bon, la première petite manche, je la passe pas. C'est con, j'aurais perdu pas mal d'énergie avec ça. Bon, peut-être pas forcément se focaliser que sur un endroit. On va essayer de le séparer en deux, comme ça il va être peut-être un petit peu perdu. J'ai pas du tout les techniques hein, pour ce jeu, je l'avoue. Je l'avoue, là faudrait peut-être sortir un géant, ce serait pas mal pour défendre un peu. Et on verra, j'ai l'impression que c'est surtout à la fin que ça se joue quand... Ah le géant, d'accord, il s'en fout de l'unité, il fonce dessus. Ok, ben ça je savais pas. Ok, ben c'est une bonne chose, il faut toujours le savoir. Bon, je me défends, mais il se passe pas grand-chose. Ok, ouais, il touche un peu, hein, il prend l'avantage quand même sur moi. Et il commence à perdre de l'énergie, à perdre un tout petit peu l'avantage. Mais vite fait, hein, vite fait, très vite fait. Là, je vais pouvoir attaquer, mais lui aussi. Alors, on verra comment mes troupes s'en sortent face à lui. Je pense qu'il va falloir aller là. Ah, je suis mal barré. Alors, j'ai pas du tout les techniques, il faudra m'excuser ma newbitude. Mais là, je suis très mal barré. D'après ce que je vois, ok. Bon, là, on va aller de ce côté-là. Ah ouais, j'ai mis un héros, par contre, il est mort aussi vite. Ok, très bien. Ah, il a largement l'avantage sur moi, j'avais pas vu sa petite troupe, j'ai cru que j'avais réussi à l'avoir, mais visiblement non. Il faudrait que je puisse balancer un sort, c'est con, je me suis accroché au mauvais endroit, je crois. Bon, on verra avec ça en plus. Ok, PK, putain, va falloir aller vite là. Hein. Va falloir aller vite, je crois. Bon, là, je pense que ça, c'était bien déployé de ma part. Oh là 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 là, c'est largement perdu. Bon, premier combat, première défaite, c'est mal barré. Il aura peut-être pas réussi à avoir mon château, et encore que tout est possible. Oh là 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 là, c'est mal barré. Bon, je pense qu'il va me falloir des petites techniques. Hein. Je pense que je fais pas du tout. J'utilise pas correctement. Déjà, le golem, j'ai perdu beaucoup de points. Putain, pourtant, le mien est niveau 5 et je vais perdre du coup. C'est con. Bon, j'aurais mieux fait de m'acharner sur ma défense plutôt que sur mon attaque. C'est pas grave. Si je défends, c'est déjà bien, non? Comment ça se passe? Ah, il m'a battu. Premier combat, première défaite. Dur. Coup dur pour le joueur français. Belle perf. Moi, j'ai même pas eu une seule couronne du coup. Bah, ça démarre mal. Alors, je sais pas si ça va jouer. Ah, bah, du coup, j'ai pas gagné de coffre. Super. Bon, on va commencer. Tu prends un adversaire mollo, hein. Je sais pas s'il l'achète ou pas, lui, Goblinarium. Bon, ce que je vais essayer déjà, allez, gobelin, enfin géant. On commence, direct, on lui met des renforts, pas mal de soutien de ce genre-là. Il me faudrait un petit PK, ah c'est le PK là qui me fait hyper mal.
Ça, j'ai bien retenu qu'il était fort, lui. Ah, là, il est assez bien. Il a perdu beaucoup d'énergie en lançant ça. C'est une bonne nouvelle. Mais moi, j'ai plus beaucoup de troupes non plus. On va essayer de se garder un petit peu. Oh là là, rien que sur le déplacement. Ah ouais, lui, il fonce sur le château aussi. Ah là 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 là, c'est une catastrophe. La pluie de fléchettes. Ok, c'est mal barré. Hein. C'est mal barré, encore une fois. Oh, j'ai rien à voir. Je crois que j'ai pas du tout compris les techniques du jeu. Ok, bon, vivement, vivement. Ah ouais, d'accord, il a réussi à garder beaucoup d'énergie quand même. Ça m'a fait aucun dégât, par contre, ça c'est très bien. Allez, respire. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, tu vas perdre beaucoup de dégâts. Lui, je vais te le tuer en 2 secondes. Et je vais peut-être prendre l'avantage, du coup, va falloir mettre... Ça, je pense. Allez, lui, il sert. Oh là 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 là, les flèches. Bon, j'ai un petit avantage, mais vraiment léger pour le coup. C'est pas folichon non plus. Là, c'est bien. Ok, on enchaîne, on lâche pas la pression. J'aimerais bien récupérer rapidement, peut-être, je sais pas lequel des deux, le PK par exemple, le PK, ce serait bien. Bon, par contre, ça va me coûter une fortune. Va falloir qu'il fasse un petit peu d'effort. Voilà, le géant. Et des petites troupes derrière. Le géant qui part du mauvais côté. Ah, là, je domine. Là, je domine, mon gars. Là, je domine, mon gars. Là, tu sais pas quoi faire. Là, tu sais plus comment réagir, là. Hein, là, tu sais plus. Là, je l'ai, là. Là, je l'ai, là, on est bon, là. Oh là là, trop de pression. Oh là là, il me met un golem. Il essaye de retourner la situation. De l'autre côté, le PK, est-ce qu'il va partir vers le centre-ville ou pas? Là, je domine toujours. Je domine toujours. J'ai le centre-ville. Oh là là, je l'ai là. Fais pas le malin. Jetez, jetez, jetez! Oui! Bon, ça y est, je me suis refait un petit peu. Hein. J'ai fait une percée que d'un côté et j'ai pas lâché l'affaire. Voilà! Mon premier coffre d'argent en plein combat. Et je gagne ça. D'après ce que j'ai vu, il y a des tournois et des arènes à faire histoire de débloquer ouais, pendant 3 heures. Bon, j'ai pas. Allez, je dépense un peu mes gemmes. Au début, faut être un peu plus fort quand même. Allez, on dépense les petites gemmes qu'on a dessus. Voilà. C'est ça. On va augmenter les flèches. Les gobelins, je les ai pas encore eus. Alors, est-ce qu'ils sont forts? Et les gobelins à lance aussi. Alors là, aucune idée. J'ai pas l'impression de les avoir vus dans les métadecks. Un truc comme ça. Bon, au début, il va falloir faire avec ce que j'ai. J'ai l'impression. Là, comment on cherche des tournois? Ouais, ok. Ici, c'est quoi? C'est les clans. Non, ça, c'est mes cartes. Dans le côté combat, là, ici. Nouveauté. E-sport, non, pas e-sport. Je sais pas. Ah, ici, là, il y a des tournois. Tournois, événements spéciaux. Quoi, toutes les. Ah, sont au niveau 11. Ah, j'ai pas encore le niveau prérequis pour pouvoir atteindre ça, je crois. Si j'ai bien compris, je suis que niveau 2 et c'est un peu trop léger. Oh, bah j'ai eu un coffre, tiens, on a bien fait d'aller dedans. 500 pièces d'or, ça va quand même bien m'aider. 50 gemmes aussi. La cage gobeline, pourquoi pas. Je sais pas à quoi ça sert. Oh là là, les archers. Ça va être le méga boost. Oh, les gobelins aussi. Oh le géant! Oh, est-ce que je vais pouvoir assumer un tel boost? Je sais pas. Je sais pas, un tel boost. Alors lui, je vais le faire passer un niveau. Ouais. Confirmer ici. On est bien. Le géant qui va quand même bien prendre des points de vie. 193 PV. Merci mec. Mes petits archers. Oh bah ça coûte que 20. Allez. Je peux encore améliorer? Oui. Allez, 50. Ah là, elles vont tabasser là. Ça va commencer à parler, ça, non? Et lui aussi, j'ai encore assez de pièces largement. Bah écoute, on améliore, hein. Si je peux améliorer, autant m'affronter directement. Bien plus équipé. Hop, je vais monter un petit peu en niveau aussi, comme ça. Bon, j'espère pas faire de bêtises et que ça va pas crier au scandale. Niveau supérieur. Et je gagne en points de vie de tour de roi. C'est bien ce que j'avais dit. Ma tour des princesses aussi gagne. Ah, si ma tour des princesses elle gagne.
On est bon là. On est bon. Bah du coup, eh, combat. Fiesta mode. Pas trop besoin. Donc bah, vous me direz hein, si j'ai bien compris. Pour les tournois, je. C'est quoi ça? Classement, TV Royale, camp d'entraînement. Ah les tournois, les tournois ils sont pas encore accessibles. Du coup, à mon niveau. Allez. Un troisième petit combat. Et puis comme ça, ben, j'essaierai d'avoir vos retours dessus. Voir si je fais n'importe quoi pour démarrer. Si il y a quand même un petit peu d'idées ou pas du tout dans le lot. On va voir. Allez, en tout cas, lui, il est perdu. Je lui lance une salve au début. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir. On s'attaque fortement à ça tout de suite. On va lancer le géant. Par contre, là, je suis totalement bah, dans la merde. Là, j'ai lancé un gros héros pour rien. C'est quand même dommage. Ouais. Ça, s'il y a des troupes qui traînent de côté, bon, on aura mis beaucoup de dégâts ici, donc c'est pas si mal. Allez, pam. Lui, en soutien. Allez, les petits archers derrière. Voilà, ça c'est bon, ça. J'aurais peut-être dû lancer une boule de feu pour terminer ça. Pour terminer cette tour, une petite boule de feu. Je sais plus exactement combien de dégâts ça fait, mais ça pourrait faire l'affaire. Ça ferait une tour de moins. Oh, j'ai mis. Ça fait rien en dégâts, ça. Allez, on défend. On le laisse pas attaquer ici. On va rapidement remettre un géant de l'autre côté, par contre. Ouais. On va rapidement remettre un géant de l'autre côté. Parce que là, voilà, il y a quasiment un endroit qui est percé. Et on va pouvoir défendre un petit peu ici. Voilà, on va remettre les petits archers là. Hop, ici. Voilà, je vais prendre l'avantage. De pas beaucoup, mais je vais prendre l'avantage. Ça, c'est sûr. De pas beaucoup, mais je prends l'avantage quand même. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries, bon, tout n'est absolument pas terminé. J'aurais pas dit mon dernier mot, mec. Ah merde, il prend largement l'avantage, non! Non, meurs, toi! Meurs, oui! Ah, comme ça, je pars des deux côtés. Je suis bien. Ok, ici, je suis très bien. Oh oui, je suis bien là. Ouh, là, tu vas pas comprendre. Oh, je vais pas te lâcher. Hein. Oh, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher. Oui, non, non. Oh putain. Il reprend le dessus. Oh le stress. Oh le stress. Oh le stress. Le chevalier, il faut pas que je mette trop de troupes difficiles. Voilà, là on va essayer de liquider rapidement ces petites troupes là qui me chagrinent. Le petit géant ici aussi. Ah là là, faudrait que je puisse lancer un PK rapidement. Hop hop hop, voilà le petit PK qui fait plaisir ici. Oh là là, c'est dur la fin. Je j'ai pas un avantage énorme hein, quand même sur lui, mais je pense que je l'ai. Comment ça va jouer, se répartir les points? Oh, il y a un extra. Ah, oh, c'est la merde. C'est la grosse galère là. Là, ça c'est la grosse galère. Va falloir le tuer rapidement. Ah, oh, il m'a eu. Ah, oh, je suis dégoûté. Ah, oh, il faut que je parte sur une victoire là. Combat terminé. GG, mec. J'ai eu qu'une étoile, moins un. Ah, il faut que j'en parte. Ah, ça va me stresser si j'arrive pas. Ça va être dur. Ah, si j'arrive pas, ça va me stresser, ça. Ah, c'est vrai que ça va être dur, là. C'est un jeu, je sais pas. De base, il me chauffait pas particulièrement, mais. Si j'y arrive pas, c'est chiant. Tu vois, je veux dire, c'est l'esprit de compétition où il va falloir vraiment que je regarde peut-être des façons de jouer parce que je suis sûr que je suis complètement à côté de la plaque. Et ça va pas me plaire. Bon, faut mettre un peu de pression quand même. Histoire de là, il y a pas mal de soutien sur lui. Je pense que je démarre assez bien. On va enchaîner un peu plus par là. Je vais le laisser ici. Voilà, on enchaîne un peu plus. On enchaîne. Ici, on met un peu la pression. Histoire de tuer rapidement l'autre héros. Ouais, voilà, là on est bien. Là, on est très bien. Oh là là, et là, ça aurait été une exécution. Une exécution sur Martino. Paf, paf.
Et combat éclair, belle vengeance. Voilà, on va pouvoir rester là-dessus. Et sans pitié, impitoyable. Et coffre en or, je sais pas si c'est le temps que qui m'a fait gagner là-dessus, mais ça c'est une bonne chose de fait. Et là, 8 heures par contre. Et le débloquer, ça va être long. Choisir. Oh là là, qu'est-ce que je choisis? Bah, j'ai l'impression que je vais choisir lui. Voilà, j'espère pas avoir fait de bêtises, vous me direz. Ça, c'est une bonne chose de débloquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura été un bon petit aperçu du jeu. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, de voir si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir plus, les lives sur ce jeu, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas si avec vous, ça, vous avez l'habitude de voir des lives. On va pouvoir s'organiser ça ensemble, de voir une nouvelle journée. Avant, on avait l'habitude de faire le jeudi. On pourra peut-être garder le jeudi pour faire les lives. Ou sinon, voir une autre date par rapport aux événements du jeu que je ne connais pas encore. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne journée. On se dit à très vite. Tchuss!